La thématique, c'est quelle place l'évaluation doit-elle tenir dans les décisions publiques. Monsieur Grimaldi, vous dites, vous, très simplement, et on en a un peu parlé déjà, les indicateurs, c'est la standardisation, c'est pas la médecine. Merci pour le résumé. Je pense que, en fait, je suis ici pour jouer le rôle de l'avocat du diable. En quelque sorte, sans conflit, oui. Sans débat, on prend des décisions dont on a à se mordre les doigts quelques années plus tard. Alors, il y a deux... dans les citations, on pourrait citer Einstein. Hein, tout ce qui compte ne se compte pas, et tout ce qui se compte ne compte pas. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation ? Évidemment. Et en santé, c'est évident. Il y a deux sujets qui sont implicites, mais dont on ne débat pas. Quel est le modèle médical scientifique actuel ? Deuxièmement, quel est le modèle de financement ? Alors, le modèle scientifique, on a connu le modèle anatomoclinique, on a connu le modèle biologique, Robert Debré. On est rentré dans le modèle épidémiologique, l'étude des populations, qui permet des grands chiffres, qui permet donc des moyennes, qui permet d'en faire des normes, qui permet d'en faire des recommandations. Et de là est née, par déviation idéologique, l'idée d'une médecine industrielle, donc standardisée, donc de la procédure, donc du contrôle qualité, dont on a le modèle dans l'entreprise. D'où hôpital-entreprise, médecin-ingénieur, etc. Est-ce que vous caricaturez pas un peu ? Non, pas du tout, parce que ce modèle est partiellement vrai. Paradoxalement, par exemple, dans la chirurgie cardiaque. Dès lors qu'un professionnel de santé ne parle pas à un malade, n'examine pas un malade, examine des procédures, il n'est pas loin du technicien où s'applique ce modèle. Mais dans la maladie chronique, qui est le grand défi, et vous m'avez présenté comme santé publique, appel, etc. Mais enfin, fondamentalement, je suis diabétologue et spécialiste de maladie chronique, ce qui m'a permis de réfléchir à ça. Ce modèle, il est aujourd'hui défaillant. Ni le médecin de la médecine libérale du colloque singulier, ni le modèle de la médecine industrielle ne répond à la prise en charge de la maladie chronique. Le modèle dans lequel nous rentrons, nous sommes en train de rentrer, c'est celui qui s'appelle de l'individualisation. Même en cancérologie, pour des raisons même de génomique, d'épigénétique, sans parler du psychosocial dans la maladie chronique, c'est ce modèle-là. L'association américaine et européenne du diabète viennent de sortir des recommandations qui disent « Nous ne pouvons pas faire de recommandations, nous pouvons seulement dire quels sont les critères que vous devez prendre en compte lorsque vous prenez des décisions. Votre malade est-il âgé, pas âgé ? A-t-il un risque d'hypoglycémie, pas d'hypoglycémie ? Quel type de traitement ? Votre pays est-il riche ou pas riche ? Et à partir de là, prenez la meilleure décision. Alors évidemment, les recommandations, vous en parliez, sont utiles pour savoir pourquoi on ne les applique pas. Évidemment, vous devez dire, vous devez, comme professionnel, vous justifier pourquoi je suis à telle décision. Si vous n'avez pas de standard, vous ne pouvez pas justifier pourquoi vous ne l'appliquez pas. Mais le fonds d'œil, donc elles sont utiles. Le fonds d'œil, ben, prenons très bien, vous prenez un exemple typique. Voilà. Et alors, vous pensez que, on va dire, dans la recommandation, fonds d'œil tous les ans, c'est faux. Quelqu'un qui a une hémoglobine A1C à moins de 7%, qui a un fond d'œil normal, peut avoir un fond d'œil tous les deux ans. Et lorsque on fait l'étude entre aides, une étude d'évaluation sur le diabète. Ça, c'est les procédures. On fait des bonnes choses, attendez. On fait une bonne chose. On dit combien de patients ont eu un fond d'œil dans l'année. Et on dit c'est catastrophique, on n'a pas progressé. Mais si on dit combien avaient un fond d'œil normal, une hémoglobine A1C inférieure à 7, et n'ont eu qu'un fond d'œil tous les deux ans, ce qui est parfaitement bien, donc on est dans la complexité. Et on veut réduire ça en blanc et noir. On veut dire combien de diabétiques ont moins de 7% et on dit on ne progresse pas. Mais si on dit combien ont moins de 8% d'hémoglobine A1C, alors on est passé de 30% à 20% et on progresse considérablement dans le diabète. Donc, ça suppose à ce moment-là de réfléchir différemment. Alors, l'autre problème qui est complètement implicite, attendez, je m'excuse, qui est implicite, c'est que le mode de financement. C'est pas une question d'indicateur, attendez, c'est le mode de financement. Le mode de financement, oui, bien sûr, mais ça dépend quel modèle on a dans la tête. Oui. Si on a le modèle, la recommandation doit être appliquée parce que c'est un modèle standard. Nous sommes dans la médecine industrielle, ce qu'a dit Claude Le Pen et répété Claude Le Pen, équivalencien à tour de bras, et ce qui a été relayé ça dans la loi, oui. Et ben, ça aboutit au dysfonctionnement. Ils ont pris comme modèle la chirurgie spécialisée très étroite et ils ont dit c'est ça la voie générale. Et tout le monde a suivi. Bon, alors prenons le problème du mode de financement. Est-ce que le mode de financement, c'est le juste soin ou juste coût ou c'est la rentabilité ? Alors, ça vous paraît peut-être abstrait, mais moi je vais vous donner des anecdotes de cliniciens. Nous faisons un projet de rassemblement de 5 services d'endocrinologie et métabolisme. Et nous faisons un projet très ambulatoire parce que la spécialité est très ambulatoire. On fait hélas un bail emphytéotique. Et on nous dit que ça va vous coûter 1 500 000 euros de loyer par an.
votre projet n'a pas assez de lits, vous n'êtes pas rentable. Le directeur nous dit, jamais M. Claude Evin n'acceptera ça. Il vous faut rajouter 24 lits. Eh bien, monsieur le directeur, faites comme d'habitude. Rajoutez 24 lits. Donc, on rajoute 24 lits pour pouvoir avoir le label. Et j'entendais dans les commissions où on était, absolument, ce consensus, quand on dit co-construit, c'est un consensus du silence. On fait des indices et on dit, ça va leur plaire en haut, on le fait. Je vous raconte des anecdotes de cliniciens pour comprendre que d'abord, vous avez affaire à une défiance majeure des professionnels de santé. Qu'il faut reconstruire la confiance. Et reconstruire la confiance, ce n'est pas par les mots co-construction, partenariat, que vous l'obtiendrez. Il faut la construire par le dialogue contradictoire. Je donne on a du mal avec vous, là, vous faire du dialogue contradictoire. Oui, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Compte rendu de sortie dans les 8 jours. Oui, bah justement, ça, dans le. Parfait, dans, hein. Bah oui, mais justement, c'est un point important. Le compte rendu est inapplicable. Il n'est pas fait. Il n'est pas complet, parce que l'endocriniste avait du temps. Dans la stratégie de la santé, ça revient plusieurs fois, ça. Attendez, je peux vous répondre. Oui. Dans le compte rendu de sortie, on dit, mais les comptes rendus, les résultats d'examen vont arriver plus tard. Ça ne fait rien, envoyez-le. La secrétaire vous dit, mais alors je ne fais pas le courrier. Ça ne fait rien, ne fait pas de courrier, parce que l'indice, l'index, donc on soigne l'index. Alors, contrairement à ce que dit M. Rousseau, heureusement que nous n'appliquons pas ce que font les Anglais et les Américains, parce qu'avec le retard, ça nous permet de vous lire les articles où ils disent que ça ne marche pas. Le P for Performance, il y a X publications anglaises qui expliquent que ça a amélioré les indices qui étaient déjà en train d'amélioration et que ça a détérioré les autres. On soigne l'index et pas le malade. On a bien compris votre point de vue. Est-ce qu'en fin de compte, parce que vous n'êtes pas contre l'évaluation, bien évidemment, vous n'êtes pas contre les indicateurs, mais vous dites que les indicateurs ne sont pas bien élaborés, en fait, c'est ça. Mais mal élaborés parce qu'ils partent d'en haut. Voilà, mais ceux d'en bas se disent. Il faut qu'ils soient co-construits. Pourquoi Mme Bauchet, elle a dit, j'ai rien dit sur l'indicateur qui me paraissait stupide. Oui, elle est spécialiste, ben parce qu'elle s'est dit, pour obtenir le financement de mon unité, il faut que je leur dise ce qui leur fait plaisir. Et eux, ils disaient quoi? Pour être bien vu par l'instance nationale, il faut que je mette le mot-clé. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'accréditation pour une unité d'éducation qui est validée par l'ARS, par des gens qui ne savent pas ce que c'est une éducation thérapeutique. Il y a des mots-clés. Donc, il y a des collègues qui sont des spécialistes. Nous, on a fait nos projets et aussitôt, on les a diffusés à tous les collègues qui les ont recopiés. Et alors, on met un coup de tampon à l'ARS. Accrédité pour l'éducation thérapeutique. Il faut partir de l'inverse, d'en bas, en demandant la contradiction. En disant, je ne veux pas qu'une société savante ait un projet, je veux que vous en ayez deux projets, que vous l'évaluez, que ce soit contradictoire. Voilà. Ce qui se fait là où, vraiment, dans les hautes décisions, y compris de l'armée, on ne prend pas de décision sans qu'il y ait un débat contradictoire. Alors, ce n'est pas ça qu'on fait. Hein. Non. On fait c'est ce qu'on dit qu'on co-construction. Va faire. Alors, dans l'entreprise, alors justement, c'est intéressant. Vous avez vu que l'entreprise n'est pas un modèle. Et c'est vrai que les indicateurs, parfois, ça vient d'en haut. C'est pour restructurer. On arrive avec son package. Comment vous réagissez à ce que dit monsieur? Oui, je crois que... Allez, ça marche. C'est bon. Oui, je serais assez... Dans la veine de ce que dit M. Grimaldi, on dit un débat contradictoire. Un certain nombre de réserves. La première, je crois qu'il y a une mutation importante qui s'est produite et qui nécessite l'utilisation d'un certain nombre d'instruments qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser parce qu'on était plutôt dans l'ordre de l'implicite que dans l'ordre de l'explicite. Alors pourquoi ne peut-on pas rester dans l'ordre de l'implicite à l'heure actuelle? Tout simplement parce qu'il y a une révolution qui s'est produite dans la pratique médicale, qui est que la pratique médicale ne peut plus être une pratique individuelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a interdépendance entre les praticiens et je ne peux pas raisonner, si je suis professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière, dans le domaine d'une maladie chronique comme le diabète, sans me poser la question de ce qui se passe ailleurs que ce que je fais dans mon service, parce qu'une bonne part de ce qui se passe ailleurs peut soit m'empêcher de faire correctement mon boulot, soit détruire le boulot que j'ai fait. Et donc, on est rentré dans un système d'interdépendance, et dans un certain système d'interdépendance, il faut se parler. Or, l'implicite, c'est tout sauf ce qui permet de communiquer. Et par conséquent, on est face à cette révolution, et on est très désarmé, parce que culturellement, on n'a pas su. On n'avait pas besoin de développer un certain nombre de choses qui nous aident à établir un dialogue. Et un dialogue qui peut être contradictoire et constructif, c'est-à-dire un dialogue qui se centre sur non pas ce que je fais,
mais ce que produit ce que je fais. Et je crois qu'il y a récemment une évolution importante qui a été prise, enfin, c'est de se dire, auparavant il y avait un débat contradictoire en France entre les tenants de la santé et les tenants des réseaux de coordination. Et ce débat partait du fait que les uns partaient des structures et des moyens que l'on mettait en œuvre, et les autres partaient des besoins exprimés par les patients et les usagers. À l'heure actuelle, on est revenu là sur quelque chose qui est un petit peu commun, c'est-à-dire qu'on dit maintenant il faut partir de ces besoins-là. Mais il est évident que ces besoins sont hétérogènes, que ces besoins ne sont pas forcément exprimés parce que on n'a jamais demandé aux gens véritablement de l'exprimer. Et qu'est-ce que c'est qu'un patient expert ? Un patient expert, c'est quelqu'un qui va pouvoir expliquer à un médecin que le vécu d'une maladie par quelqu'un n'a rien à voir avec la perception que le médecin en a. Pourquoi ? Parce que le médecin est extérieur à cette maladie, quel que soit son potentiel compassionnel et d'implication, et qu'il ne peut pas vivre l'ensemble des facteurs que vit un patient. Pourquoi ? Parce que ces facteurs que vit un patient sont des facteurs qui sont liés à d'autres dimensions que son état de santé et sur lesquelles son état de santé a un impact, c'est-à-dire sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie familiale. Et ça, c'est extrêmement difficile de l'appréhender lorsqu'on n'est pas soi-même confronté. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir de nombreux études. On s'écarte peut-être un peu des indicateurs. Oui, mais je veux dire simplement, Oui, allez-y, monsieur Grimaldi. Si on a un débat sur le patient expert, je veux bien, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le patient peut être expert dans l'évaluation, ce que vous avez dit. Il peut être une expertise sur les organisations et participer. Pour ce qui est du processus de soins, le patient peut être ressource de son cas individuel, pas expert pour les autres patients. Hein ? Par contre, qu'est-ce que c'est que vivre une maladie chronique ? C'est faire un travail de deuil. Hein ? C'est, je ne serai jamais plus comme avant et c'est pour toujours. Et la qualité du soignant, c'est celle de l'empathie. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, dans notre vie, nous avons l'expérience du deuil. Et de comprendre comment, face au deuil, on peut faire le déni, la dénégation. Autrement, l'idée serait simple. Ça serait que les diabétologues, qui sont eux-mêmes diabétiques, ils se soignent de manière merveilleuse. Alors, je peux vous raconter pas mal d'anecdotes de comment se soignent les grands professionnels de santé quand ils sont eux-mêmes malades. Ça vous montrera que ça ne suffit pas d'être malade pour se bien soigner. Hein, que, là encore, la vie est une co-construction. Hein, on est embarqué avec un malade dans une vie commune. Hein, et ça suppose, du coup, que la formation des soignants de maladies chroniques soit triple. Biomédical, psychologique et pédagogique. Et le modèle de médecine qui répond, c'est une médecine intégrée et coordonnée. Ça, c'est tout le sujet, ville-hôpital, psychologie, pédagogie, biomédicale. Ce que vous avez dit très justement, c'est que la médecine aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Absolument. Et si on fait de l'intéressement, c'est de l'intéressement d'équipe sur des objectifs qui sont de motivation intrinsèque et pas de motivation extrinsèque. Si vous mettez l'argent là-dedans, vous tuez la motivation intrinsèque. Même de l'argent collectivement, comme non, c'est fait. Non, l'argent collectivement, si c'est un projet de formation, si c'est un projet d'amélioration, sur la base de projets. Mais si c'est de l'argent individuel, vous rappelez, c'est bien connu, dans ce pays, on est dans le don du sang. Si vous demandez et si vous allez payer le don du sang, vous aurez moins de donneurs. Ce n'est pas un hasard si, au fond, la discipline qui est l'hématologie, il y a peu de privés, ni les internes, ni les professeurs. Parce que la culture est celle du don du sang. Et dans le don d'organes, on n'accepterait pas qu'il y ait une activité privée à l'hôpital. Donc attention à vouloir manier l'argent comme si c'était l'homo economicus, vous allez détruire la motivation intrinsèque. Moi, je peux accepter de travailler le samedi après-midi pour voir des patients, mais si on me dit que ça vaut 23 €, alors je vais arrêter. Parce que ce n'est pas assez. Évidemment, parce que si vous êtes jugé à la valeur de ce que vous gagnez, vous ne gagnerez jamais assez. Bon, et c'est l'intérêt d'ailleurs de ce point de vue-là d'un salariat ou de salaire de professeur des hôpitaux qui sont corrects, qui vous permettent de dire je suis garde correctement, mais ce qui me motive fondamentalement, ce n'est pas ça. Alors ça suppose évidemment que vous travaillez en collectivité, sous l'œil de tout le monde, et que vous acceptez l'évaluation. Ça, il en est, Alors il y a une question, pourquoi les exemples donnés ne concernent que la médecine sur les indicateurs ? Est-ce une illustration de la difficulté d'avoir des indicateurs sociaux et médico-sociaux sur le vivre ensemble dans nos lieux de vie ? Ce que disait Rachel Bauchet, c'est que la santé, ce n'est pas que les soins. Les inégalités de santé procèdent de bien d'autres choses. Est-ce que vous focalisez que sur les indicateurs de médecine parce que vous êtes médecin ?
Et chacun son métier. Oui, chacun sa responsabilité. C'est-à-dire que si vous voulez parler du taux de suicide, alors parlez du taux de chômage. Le suicide est en train d'augmenter vertigineusement au Portugal, en Espagne et en Grèce. Bon, les médecins portugais. Les chômeurs fument plus. Les chômeurs fument plus. Vous avez une dépréciation sociale, vous avez l'isolement, vous avez des ruptures de vie familiale, bon, et vous avez les suicides. C'est plus l'accès et autres. Moi, j'ai dû évaluer une chose complexe, qui est-ce que l'unité d'éducation du service pour les diabétiques insulino-dépendants est performante ? Alors vous avez première chose, si vous prenez un indicateur, c'est stupide. Vous dites l'amélioration de l'équilibre du diabète, mais pas du tout, parce qu'il y en a qui viennent pour coma hypoglycémique répété. Cela, ce n'est pas un problème que leur hémoglobine AC monte un peu. D'autres ont de bons résultats, mais ils viennent pour qualité de vie détériorée. Qualité de vie, il existe des questionnaires faits par une Anglaise qui sont tout à fait exigeants et spécifiques, spécifiques à la maladie. Et spécifique au changement de traitement. Et là, vous dites, on va évaluer des groupes de patients en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Bon, parce qu'autrement, vous dites, l'éducation thérapeutique, ça ne sert pas, il n'y a pas d'évaluation qui montre que c'est efficace. Oui, si vous jugez l'hémoglobine AC par des gens qui ont un très bon résultat, mais qui font plein de coma hypoglycémique, vous n'avez pas mis de bons critères. Donc la pertinence même pour les médecins est une affaire un peu compliquée. Hein ? Donc oui, on ne peut pas... Je crois qu'il faut se dire que ce qu'on va évaluer va changer des pratiques, va permettre de savoir s'il faut continuer ou pas, et où est-ce qu'il y a des défauts. Si c'est pas pour... Écoutez, on a eu une évaluation des consultations, des tenues des observations. L'observation, évidemment, l'observation elle est prise dans les services, dans les unités. Le résultat de cette évaluation, faite par le département de santé publique, était donné par pôle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Si vous n'êtes pas concerné, votre pôle est bon ou pas bon, mais vous... Dans l'unité où vous travaillez. Oui, ça ne fait rien, c'est parce qu'on l'a demandé à l'échelon au-dessus. Donc, on fait une évaluation pour plaire à l'échelon au-dessus, pas pour changer la pratique. Donc, vous vous étonnez ensuite que les professionnels disent, attendez, maintenant, on est dans une réticence totale. Vous l'avez dit, les professionnels de santé, les médecins en particulier, sont très réactionnaires, en réaction, on va dire, par rapport aux différents... Réactifs, disons. Est-ce que sur les indicateurs, il y a aussi cette opposition qui a été décrite aussi tout à l'heure. Est-ce que, si c'est eux qui disent une réaction de principe, un petit peu, on a l'impression que les médecins se braquent et qu'ils veulent. Nous, on sait, vous savez pas un peu. Non, mais si le monde médical est complètement divisé, il n'y a pas un monde médical homogène. Sont les spécialités, sont les pratiques. D'ailleurs, il n'y a pas pire pour dire du mal des médecins que d'autres médecins. Bon, donc. Ce qu'il faut, c'est partir réellement de ce qu'expriment les professionnels, d'arrêter de considérer que ce sont des conservateurs, que ce sont des gens qui sont hostiles au changement. Ils n'ont pas fait ce métier pour rien. Donc, si on les réunit et si on travaille en équipe, les choses bougent. Et si on voit que dans un autre département que soi ou un autre pôle où on est, ça bouge, on bouge aussi. Il y a une contamination, mais elle ne peut pas partir d'en haut en disant, voilà, Icalin, très bien, dans mon service, on était très mauvais pour Icalin. Catastrophique. Alors que nous avons une unité. Rappeler ce que c'est pour tout le monde, c'est l'hygiène et les infections. Les infections nosocomiales, c'est-à-dire le critère pour éviter les infections nosocomiales. On a une unité de pieds diabétiques infectés graves. La première unité de podologie de prévention des amputations en France. Notre résultat était catastrophique. Mais nous n'avions aucune infection nosocomiale transmise. Pour la raison qu'elle avait été construite, cette unité, spécialement avec lavage des mains à l'entrée, sur blouse, et mise de gants, systématique. Mais nous n'utilisions pas le liquide hydroalcoolique. Alors, ça a calmé l'hôpital quand j'ai eu le résultat, mais le président de la CME dit, écoutez, la pièce salpêtrière n'est pas bien située dans le critère Icalin, parce que nous n'utilisons pas assez de produits hydroalcooliques. Je pense qu'on peut faire un petit effort, vous voyez ce que je veux dire. Bon, résultat et procédure. Bon, dans la définition même, et c'est ce que disait de citer quelqu'un ce matin sur la loi de Gouder, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un marqueur que vous croyez que ce marqueur est un facteur. Donc, à chaque fois, il faut faire ça. Mais si vous le faites avec des professionnels, vous ne ferez pas ces erreurs-là. Alors, après, on dit, est-ce que c'est très important ? Alors, l'un ce matin disait dans un atelier, oui, c'est comme dans l'Évangile, il y a tous les pécheurs. Bon. Le même disait après, non, mais quand même, les professionnels sont plutôt vertueux. Bon. Enfin bref, ils sont l'un et l'autre, évidemment. Alors, est-ce que l'entreprise, comme vous, qui êtes un homme d'entreprise, est-ce que c'est un modèle ou est-ce que le monde de l'entreprise est totalement différent du monde de la santé ? Alors, je crois qu'on a toujours voulu donner le modèle de l'entreprise sans très bien savoir d'ailleurs quel était ce modèle d'entreprise. Comme
comme exemple pour les hôpitaux. Et en fait, c'est probablement ce qui a déclenché le plus de résistance, parce qu'à proposer quelque chose qui n'est pas connu à une communauté, c'est la meilleure manière de le voir rejeté. Et en plus, c'est vraiment très caricatural. Donc je crois qu'encore une fois, il faut repartir de ce qu'est la réalité d'une activité. Et la réalité d'une activité dans son évolutivité, dans ses transformations. Ce qui se passe depuis une trentaine d'années dans le domaine de la santé, c'est que la complexité est beaucoup plus grande et que c'est une complexité des processus qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a énormément plus de moyens d'investigation, on a progressé considérablement et ça a produit une surspécialisation importante. Et tout cela, ça crée un espèce de panorama qui est extrêmement atomisé. Et donc, si je veux avoir effectivement une pratique qui soit reconstituée, qui était un petit peu ce que tout médecin avait en tête initialement, c'est-à-dire la possibilité de prendre globalement les choses en charge, eh bien, on ne peut plus le faire dans un hôpital, comme on ne peut plus le faire d'ailleurs dans une entreprise, en prenant des individus qui sont isolés parce qu'ils ne sont qu'une partie du puzzle. Et donc, tout le travail, c'est de se dire comment est-ce que l'on va pouvoir créer ce fonctionnement collectif, parce qu'il n'est pas culturellement inné, parce que l'organisation avait été configurée de manière à ce qu'il y ait le minimum de liaison. Quand vous reprenez ce qu'était l'organisation hospitalière il y a une quarantaine d'années, mais enfin pas si longtemps que ça, on a un certain nombre de cases dans lesquelles on peut ranger les individus qui vont devoir être traités, parce que le problème, c'est de les aiguiller sur la bonne case. Si vous voulez, il y avait un élément qui était extrêmement significatif de ça, à une époque, quand vous sortiez d'un service pour aller dans un autre, on faisait un exéat et une entrée. C'est-à-dire que vous étiez réputé sortir de l'hôpital et vous re-rentriez à l'hôpital, ce qui montrait, si vous voulez, à quel point la configuration était faite pour qu'il y ait des lieux dans lesquels tout se passe. À l'heure actuelle, à l'hôpital, c'est plus possible. C'est plus possible, pourquoi ? Parce qu'il y a de la biologie, parce qu'il y a de l'imagerie, parce qu'il y a tout un tas de spécialités qui sont à l'œuvre pour prendre en charge des problèmes qui sont de nature d'autant plus complexes qui sont chroniques et dégénératifs. Et c'est pour ça que le champ des maladies chroniques et dégénératives qui nous est ouvert depuis relativement peu, parce que c'est lié à l'allongement de la durée de vie, nous permet d'expérimenter, de voir à quel point il est important d'avoir ce travail en collectif. Alors encore une fois, les indicateurs... C'est une manière, de la même manière que les processus, c'est une manière de se donner un langage qui va permettre de sortir de l'implicite et de sortir de ce que chacun sait faire mais ne communique pas à l'autre, pour essayer de trouver ensemble quelle est la meilleure conduite qui va permettre au collectif d'assurer une prise en charge qui soit la plus efficace possible. Et donc c'est un problème de communication, c'est un problème de lien. De travailler ensemble, en fait, voilà. Une coordination, de travailler ensemble. Est-ce qu'on pourrait donner un micro à M. Arousseau, qu'on va demander de réagir, parce qu'il y a une question, il ne faut pas rester sur cette question-là. Finalement, l'évaluation et les indicateurs, personne n'est d'accord. Donc après une journée sur les indicateurs, ça semble compliqué, alors que c'est vraiment utile. Est-ce que le critère de performance et de gain de temps ne serait-il pas de supprimer les indicateurs ? Donc oui, après une journée, alors là, Christian Anastasi va tomber de sa chaise, après une journée sur les indicateurs, vous n'êtes pas contre les indicateurs, vous êtes pour les bons indicateurs. Bah oui, et comment ils sont élaborés ? Vous pouvez donner un micro à Monsieur Rousseau. Non, mais j'aimerais que vous nous disiez que vous n'êtes pas contre les indicateurs, mais des bons indicateurs avec un... Oui. Allez-y, vous qui êtes un grand diabétologue. Non, pour les professionnels, il s'agit d'améliorer les pratiques. Donc il faut que le but soit clair, si on demande à des professionnels d'améliorer leurs pratiques. Quels indicateurs proposent-ils ? Comment les mettre en œuvre avec un débat contradictoire. Et puis après, il est élaboré et on y va. Et c'est publié quand ça a été fait par des travaux de santé publique qui ont eu un succès. Je pense à Isabelle Durand-Zaleski, à l'étude Entraide. Bon, une étude qui est revendiquée par la communauté diabétologique, appropriée par la communauté diabétologique. Bon, alors après, il faut pouvoir discuter sur la communication. Ce que je vous disais tout à l'heure, sur est-ce que dans le diabète, si on lit l'étude Entraide, et ce qu'en dit Van Rokinghem, bah c'est catastrophique. On dépense 17 milliards pour les diabétiques. Et on ne progresse pas. C'est complètement faux. Bon, évidemment, on a pris des normes qui sont les normes optimales. On n'a pas regardé ce qui n'allait pas et comment ça s'est amélioré.
Et alors, une question sur la T2A, est-ce que, qui a disparu ? Non, c'est ça. A-t-on évalué l'impact de la T2A sur la santé des Français ? Alors, en diabétologie, justement, il y aura une expérimentation au forfait, là, annoncée la ministre, donc vous allez... Oui, elle a annoncé, mais enfin, voilà. C'est compliqué. Alors, est-ce que la T2A a été évaluée ? Ben, non, la T2A c'est n'a pas été... Non, ce qui est intéressant, si vous avez vu l'étude de l'IRDES, de Zenepor, c'est-à-dire que personne, quand on a mis en place la T2A, personne n'a dit comment on va l'évaluer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est des évaluations très partielles. Elle a regardé dans trois pathologies... Si, par exemple, ça a augmenté les réhospitalisations en infarctus du myocarde, en AVC, la réponse a été plutôt oui. Bon, mais on a que des évaluations très partielles, faute de l'avoir prévu. Bon. Donc ça, c'est un sujet mais qui a été débattu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut continuer à mettre en route des bureaucraties, du contrôle. La T2A a entraîné ça, notamment. De la professionnalisation du codage. De l'adaptation. Hein, on n'en finit pas. Et on peut maintenant dire on va mettre la qualité dans la T2A, ce qui sera catastrophique. On peut continuer comme ça. La France dépense... C'est ce qu'on dit actuellement. Pour la gestion, la qualité d'un T2A. Oui. La France dépense pour la gestion du système de santé 7% des dépenses, près de 15 milliards. Deux fois plus que la moyenne de l'OCDE. On peut continuer. Parce qu'en France, le paradoxe, c'est qu'on a fait un grand tournant vers la marchandisation et en même temps vers la bureaucratisation. Ce qui fait qu'on a les inconvénients des deux systèmes. Oui, mais ça, c'est les assurances maladie obligatoires. C'est l'évolution dans laquelle on est. On marchandise, mais on contrôle. Donc, c'est parfait. Donc on a les inconvénients des deux. Je peux vous donner des exemples très bien pour les hôpitaux de jour. Comment vous faites des hôpitaux de jour pour prendre en charge en ambulatoire les plaies du pied diabétique, ce qui avant était impensable. On dit, bah oui, mais est-ce que c'est un hôpital de jour ? C'est pas sûr. Alors, vous faites des films pour montrer à la Sécurité sociale ce que vous soignez. Alors, ils sont très impressionnés. Est-ce que vous faites une IRM systématiquement ? Réponse, non. Oh, si vous faisiez, ça, il n'y a pas de problème. On caserait la quoi ? Hôpital de jour, vous seriez financé. Ça nous embête. Ça serait bien pour votre directeur. Chaque directeur d'hôpital aujourd'hui travaille consciencieusement à couler la sécu. Madame Coudrier, alors vous allez réagir aussi. Alors, est-ce que vous voulez couler ? Non, alors d'abord, oui, avec la T2A, c'est vrai que c'est inflationniste, on le sait. Oui. Jean-Luc Arousseau, alors comment vous réagissez à tout ça avec votre sagesse légendaire en tant que président de la HAS ? Je ne sais pas si je vais réussir à faire rire autant la salle que le professeur Grimaldi. Mais enfin bon, c'est un indicateur, hein, méfiez-vous. Hein. Oui. Donc, je crois que la question de fond, c'est de savoir si on croit ou si on ne croit pas au fait que l'amélioration de la qualité des soins est un bien pour le patient. Si on croit que l'amélioration de la qualité des soins est bénéfique pour le patient, et je dis bien bénéfique pour le patient, avant bénéfique pour le système de santé français, hein, c'est bien le patient qui doit être la première préoccupation. Si on croit à ça, les indicateurs sont un outil parmi d'autres. Il n'y a pas que les indicateurs. Si effectivement on ne fait que des indicateurs, et si on veut après juger les résultats cliniques, on va être déçu. C'est comme les recommandations. Les recommandations, si ça a été fait. Hein, une question a été posée sur l'analyse de l'impact. Ça a été fait en 2000 par l'ANAES. L'impact sur la modification des pratiques professionnelles était très faible. Mais c'est un tout qui s'associe à un certain nombre d'autres actions. Donc moi, je pense que la question fondamentale, qui finalement est un peu l'objet de cette université d'été, c'est l'évaluation de la qualité. Est-ce qu'on veut évaluer la qualité et qu'est-ce qu'on attend d'une amélioration de la qualité ? Alors, un certain nombre de choses ont été dites pour critiquer les indicateurs. Moi, je voudrais dire d'abord que les indicateurs sont faits avec les professionnels. On ne les fait pas derrière une table comme ça en disant c'est comme ça que ça va se passer. Deuxièmement, ils sont évalués tous les ans. Troisièmement, ils sont portés à la connaissance des professionnels pour que les professionnels en tirent les conséquences. La question fondamentale, c'est qu'effectivement, l'impact clinique des indicateurs, lui, n'est pas bien évalué. Et s'il l'était, il ne pourrait pas être réellement démonstratif parce qu'il s'associe à d'autres mesures. Mais je pense qu'il faut, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on aille de plus en plus vers des indicateurs qui soient faits plus pour le malade, plus pour la pratique clinique, plus pour les résultats cliniques. Donc voilà, moi je voudrais pas qu'on sorte trop déçu ou trop négatif ou trop déprimé de cette série de trois tables rondes. Je pense que les indicateurs se sont développés et s'ils se sont développés, c'est bien qu'ils répondent à un besoin. Le besoin, il est très clair, c'est d'aider au pilotage des établissements de santé, c'est d'aider au pilotage des structures régionales et nationales, c'est aussi d'informer les patients. C'est pas dans un premier temps, et je le regrette évidemment, mais c'est pas dans un premier temps de s'appuyer dessus pour mieux soigner les patients. Mieux soigner les patients, c'est encore une fois un ensemble d'actions. Et juste un dernier mot, il y a une question qui a été posée sur l'accréditation des médecins.
Nous pensons, nous, à la HAS, beaucoup plus à l'accréditation des équipes. Et il a été clairement dit que le travail médical, y compris en médecine de ville, est de plus en plus un travail d'équipe. Donc nous croyons beaucoup à l'accréditation en équipe, effectivement avec un projet d'équipe qui puisse être construit par l'équipe, par l'établissement de santé, et qui puisse ensuite être évalué. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Vous avez un micro, allez-y. Oui. Non, je pense que, M. Rousseau, justement, c'est intéressant parce qu'on voit bien la complexité des indicateurs, mais tout le monde est pour l'évaluation et les indicateurs. Il faut le répéter, même André Grimaldi l'a reconnu. Il y a un pistolet sur la tempe. Non, mais il faut qu'il soit adapté. Alors, M. Chauvin. Oui, moi, il me semble au contraire que, contrairement aux commentaires, il y a plutôt une unanimité sur, effectivement, l'utilité des indicateurs, parce que, globalement, on a tous besoin de savoir ce qu'on fait et de pouvoir corriger les choses. Sur la nécessité de les partager, alors est-ce que c'est dans un débat contradictoire ou non? Mais tous les débats, a priori, doivent être contradictoires. Donc, il faut accepter, quand on partage, il faut accepter la contradiction. Et c'est probablement ce qui est difficile quand on construit à plusieurs ces indicateurs. Donc, je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. C'est probablement la fin, en tous les cas, d'indicateurs qui tombent d'en haut comme ça, sans que les parties prenantes... soit vraiment partie prenante dans le choix de ces indicateurs. Donc, moi, je n'aurais pas une vision aussi pessimiste que celle du commentaire qu'on a vu ici. Rachel Boucher, alors, qu'il n'y a pas d'indicateur en psychiatrie? Oui, moi, je dirais juste deux petites choses. La première, je crois qu'il y a une certaine culture des indicateurs. Je crois que quand on fait les études de médecine, on apprend beaucoup de choses. Je crois qu'on devrait aussi être un peu sensibilisé, j'ai pas dit, sensibilité à la santé publique, et de telle sorte aussi de s'approprier et de pouvoir aussi faire des propositions. Parce que moi, je reconnais l'histoire du suicide d'il y a 14 ans. On m'aurait dit, mettez des indicateurs, je n'aurais pas trop su quoi mettre. Je pense qu'on doit aussi, disons, non seulement être partie prenante, mais aussi être propositionnel sur des choses, comme je l'ai dit, non seulement simples, de bon sens et critiquables. C'est-à-dire qu'on critique là. Après, moi, je voulais renvoyer la question à Jean-Luc Arousseau quand il parle d'accréditation des équipes. Mais quelle équipe? C'est-à-dire que la question... Non, mais aujourd'hui, les équipes bougent énormément. Je veux dire, c'est au niveau de la pérennité, parce qu'on parle des indicateurs pérennes, c'est la pérennité des équipes. C'est-à-dire, pour pouvoir évaluer aussi, pour pouvoir accréditer une équipe, il faut une certaine durée. Et aujourd'hui, on n'est pas toujours dans la durée. Je dirais, disons, actuellement, c'est ce qu'on vit au quotidien. Oui, monsieur Rousseau, et vous vouliez réagir? Monsieur André, non, allez-y. Juste, c'est une bonne question, parce que si on est dans un modèle de procédure, on dit qu'il suffit que la procédure soit bien définie, les gens sont remplaçables. Et on a vécu là-dedans. Donc la mutabilité des personnels, ça fait partie de la norme, il n'y a pas de problème. Si on ne dit pas du tout ça, si on est dans un modèle d'individualisation, ce qui n'enlève pas d'avoir des références, alors la stabilité des équipes est une condition clé de la qualité. Ils sont habitués à travailler ensemble. Hein, et pas à travailler sur un mode hiérarchique, mais c'est un mode du partage. Et ça, on voit ça en chirurgie, il y a des études qui montrent ça. C'est la réactivité des équipes qui permet de diminuer la morbimortalité une fois que les checklists, les règles sont respectées. Hein. Donc, si on veut aller au-delà de la checklist et de la procédure écrite, il faut travailler ensemble. L'expérience ensemble, la culture commune qui fait que l'infirmière vous dit ce malade va mal, et on sait que si elle le dit, il faut foncer, ou il passe en réanimation, ou il doit être repris sur la l'évolution de la société. C'est vrai en chirurgie. Je vais vous dire juste pour conclure, moi, une anecdote, celle de Laurent Sedel. Plein de décideurs ont comparé la santé au modèle aéronautique et de l'aviation, et les procédures de l'aviation, sans arrêt. Laurent Sedel, orthopédiste connu, a cette formule. Il dit, on compare notre métier à celui de l'aviation, ou d'un aviateur, c'est complètement fou. Il dit, quand un aviateur a un crash dans sa carrière, en général, il n'en a qu'un. Tandis que nous, par définition, tout grand chirurgien on peut en avoir beaucoup. A plusieurs crashs, et il s'agit pour lui de ramener le malade à bon port. Donc, cette image-là, elle est juste, pas seulement pour la chirurgie, elle est juste en médecine. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de référence, mais encore une fois, pour dire à quelle distance vous vous situez. Et pourquoi ? Vous devez pouvoir justifier votre pratique, mais pas vous devez appliquer la standardisation, et auquel cas, on peut vous remplacer par un robot ou par un ordinateur. Mais si on peut remplacer un médecin par un robot ou par un ordinateur, il faut le faire tout de suite. Hein ? Madame Coudrier, vous voulez dire... Oui, donc vous voulez couler la sécurité sociale, non, l'assurance maladie.
On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Non, par rapport aux indicateurs, je pense qu'effectivement, qu'il y ait des indicateurs universels, pérennes, je n'y crois pas trop. Je pense qu'effectivement, on est dans un monde qui bouge et qui évolue. Et donc, nécessairement, les points de repère, puisque c'est quand même ça, un indicateur, c'est un repère, il bouge aussi dans le temps. Il bouge en fonction, effectivement, de l'évolution sociétale et de l'évolution technique. Et néanmoins, c'est un instrument de dialogue. C'est-à-dire qu'à partir d'un indicateur, on peut causer, on peut parler. Il a une valeur relative, mais au moins, il permet effectivement de s'organiser autour d'une réflexion, d'avoir une réflexion commune, de se fixer un certain nombre d'objectifs communs. Et c'est à ça qu'il sert. Il ne faut pas non plus, je pense, aller au-delà. Et il est utile à ce niveau-là, d'autant plus si effectivement on en comprend la construction et l'intérêt par rapport à un objectif, par rapport à un projet à un moment donné. Il n'aura certainement pas de valeur universelle et pérenne, je ne pense pas. Oui. Donc je crois que c'est important d'avoir cette vision-là, et c'est ça l'évaluation. En fait, on n'évalue pas par rapport à un absolu, on évalue par rapport à une situation. On ne soigne pas certainement de la même façon à Nantes que peut-être dans tel autre lieu. Bon, que dans voilà, la Creuse, point. C'est ça, la Creuse. Chacun, néanmoins, il y a quand même des références qui nous renvoient à la recherche d'une homogénéité, d'une qualité. Et ça, c'est le sens aussi de notre service public hospitalier, c'est d'offrir le plus possible et partout un niveau de qualité et de sécurité correspondant en fait aux exigences effectivement des sociétés savantes. Et puis il y a aussi toute une démarche de dynamique locale qui peut aller plus loin, aller différemment. Et donc je voulais rassurer monsieur le professeur, nous ne cherchons pas à faire mourir ou à la sécurité sociale. Et si nous le faisons, nous le faisons de concert avec les médecins. Et de bon cœur, et de bon cœur. Alors, Madame Coudry, attendez, parce que justement, il y a une question. Est-ce que les chefs de pôle sont-ils réellement bien formés à la création, à l'analyse des indicateurs? Ne serait-ce pas le rôle des assistants ou des cadres de pôle? Justement, les indicateurs, est-ce que les cadres, les infirmiers, est-ce que c'est vraiment un travail d'équipe ou pas? Question. Attendez. Je pense que c'est un travail d'équipe, bien oui. Sûr, mais l'analyse, elle appartient aussi à celui qui a la responsabilité du management du pôle en lien avec ses équipes. Il n'est effectivement pas tout seul, mais il doit en comprendre, il doit effectivement non seulement en comprendre la construction, mais il doit participer à leur construction. Et c'est lui qui, in fine... Donc les cadres, le personnel soignant est associé. Absolument, il est associé non seulement les cadres soignants, mais également les chefs de service, puisque nous avons conservé cette organisation et que l'ensemble de ces professionnels constituent effectivement l'équipe autour du chef de pôle pour justement travailler sur la définition des objectifs, leur évaluation et les indicateurs aussi à partir desquels on peut aller plus loin et dans l'évaluation et dans l'amélioration de la qualité. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est un indicateur le classement du point? Le classement du point d'être en cinquième position. Et est-ce que c'est quelque chose si vous avez on est très content. On préfère être cinquième que dernier. Néanmoins, on se rend compte que ces classements renvoient en fait à des effets de, enfin, s'appuient sur des effets de masse et des effets, disons, de case mixte d'établissement. Et donc quelque part, il faut relativiser la valeur de ces classements. Bien sûr, l'AP de Paris est rarement classée en tête de ces classements parce qu'elle est examinée non pas globalement, mais entité par entité, et que effectivement, c'est le cas des grandes AP qui en fait n'ont pas le case mix correspondant à la typologie de ces classements. Donc, il faut être relativisé. C'est gentil pour vos collègues, monsieur. Et puis, alors, dernière conclusion, hein, monsieur Arousseau, portée sur l'avenir. Je voudrais faire deux remarques. La première, c'est qu'il faut se méfier de l'application automatique des normes. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si vous voulez, le travail de la norme va permettre à des individus placés dans un contexte donné d'interpréter ce qu'il faut faire pour se situer le plus près possible de l'excellence qui est éventuellement demandée par la norme, compte tenu de ce qu'est cette contextualisation. Et donc des moyens dont on dispose,
de l'environnement dans lequel on est placé. Et ce travail d'adaptation, chaque établissement qui est concerné, chaque groupe professionnel qui est concerné, ne peut pas s'épargner de le faire. Sinon, on a une application absurde. Pourquoi ? Parce que la norme, par essence, est décontextualisée. D'accord ? Bien, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut essayer d'éviter d'être dans une position qui est une position de jugement et de jugement sur des domaines qui sont plus complexes qu'on ne croit. C'est-à-dire que quand on parle de fonctionnement collectif, on parle de fonctionnement collectif au niveau d'une équipe. On parle de fonctionnement collectif au niveau d'une organisation. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, quand je vais essayer de travailler au sein d'une équipe, je vais essayer de faire en sorte que les liens entre les individus, les automatismes, la compréhension mutuelle, l'art de l'implicite au sein de l'équipe se développe parce que c'est ça qui va faire sa cohésion et sa force. Dans l'organisation, je ne vais pas demander ça. Pourquoi ? Parce que l'organisation nécessite une vision plus procédurale, dans la mesure où il faut que j'organise les relations entre des entités qui sont certes des entités composées d'individus, mais qui ont une place dans un dispositif. Donc on a plusieurs plans. La complexité du système à l'heure actuelle, c'est que là où on n'avait qu'un plan, qui était le plan du colloque singulier, est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe, avec différents plans auxquels on doit faire face et qu'on doit organiser les uns par rapport aux autres. Et effectivement, je dirais, quand vous disiez, dans les études médicales, on devrait être initié aux indicateurs, mais aussi on devrait être initié à un fonctionnement qui est un fonctionnement plus collectif dans une organisation qui est devenue complexe. Parce que la performance n'est plus liée à la capacité individuelle, n'est pas liée à la compétence individuelle, elle est liée bien sûr à ça et à un ensemble d'autres facteurs qui sont d'ordre organisationnel. Jean-Luc Rousseau, cette fois c'est une vraie conclusion. Je pense que les débats étaient très intéressants, très riches, et moi, à titre personnel, et surtout pour mon institution, j'en tire un certain nombre d'enseignements concernant les indicateurs, puisque c'est surtout de ça qu'on a parlé, et c'était le thème de cette université d'été. Ça tombe bien. Je pense, premièrement, que si on veut utiliser des indicateurs, et j'ai l'impression que tout le monde dans cette table ronde a dit qu'il fallait continuer à les utiliser, il fallait réfléchir à quoi ils vont servir. Deuxièmement, il fallait les construire, on va dire, avec les intéressés en amont. Troisièmement, il faut évidemment les évaluer et les tourner davantage, comme c'est le cas actuellement de plus en plus, vers la pratique clinique. Je partage l'avis de Christiane Coudrier pour dire qu'il m'étonnerait que les indicateurs soient pérennes et universels, puisque un indicateur qui est utile dans un système de santé ne l'est peut-être pas dans un autre, et un indicateur qui est utile en 2013 ne le sera sans doute pas en 2017 ou 2018 avec les évolutions notamment de la médecine. Donc voilà, je pense qu'il y avait beaucoup d'idées et je retiens évidemment celle du débat contradictoire qui est, je crois, important en tout et en particulier en médecine. En tout cas, merci, si je puis me permettre, à Philippe Ritter et Christian Anastasi d'avoir organisé ces trois débats successifs. Merci, merci, merci mesdames, merci messieurs. Et voilà, ça se termine.